Bonjour les amis de Minecraft, toujours cette vue pourrie qui marche pas, donc on ne peut pas voir ma belle tête. Aujourd'hui une vidéo qui va vous présenter un projet que j'ai lancé il y a quelques jours, qui s'appelle Nargothrond. Donc le but, enfin d'abord avant de parler de ça, du but, tout ça, pour ceux qui ont vu la vidéo sur la chasse au trésor, vous avez dû remarquer à un moment qu'on est dans des paysages assez jolis de montagne, et donc j'avais décidé de faire une ville dedans, et donc voilà, je voulais faire une ville dans les montagnes, une ville un peu à la mine de la Moria, donc des grandes salles, beaucoup de stone, donc tout est sous la montagne, sous la terre, avec plein de couloirs, de dédales, des réseaux, de la lave, là par exemple vous voyez, c'est un gouffre, une faille de lave, on voit bien, qui traverse la salle, donc ça j'ai construit tout seul avec l'aide de quelques joueurs pour creuser, pour donner un exemple aux joueurs de ce que ça pourrait être. Voilà. Donc vous voyez le principe un petit peu de faire des grandes choses assez écrasantes, un peu sombres. Et après, donc je vais creuser quelques couloirs pour montrer ce que je voulais. Voilà, donc ici un escalier, bon, je ne vais pas dire monumental, j'aurais bien aimé faire plus grand, mais déjà assez grand, qui rejoint la salle. Donc vous voyez, pas de verre, hein, je voulais des choses pas qui ne fassent pas modernes. On va voir qu'on n'est pas du tout au niveau, enfin on n'est pas en souterrain là, on est en altitude. Et donc, pour l'instant j'attends un peu, hein, il n'y a pas eu grand monde. Faut bien dire, c'est bon, c'est un peu loin. Et quand même en extérieur, je voulais qu'il y ait des choses et j'ai proposé de faire, entre ce qu'il y a différentes montagnes, vous voyez, des liaisons par des ponts. Ah, quelqu'un qui a commencé à bâtir. Donc voilà, j'ai fait des ponts comme ceci, qui se traverse avec une tour, on va aller voir, je suis curieux. Chantier de Faust. Cool, enfin Ghost Faust, c'est celui qui a fait la pagode. Donc ça nous promet des belles choses. Donc voilà, j'ai fait cette tour qui descend, on va descendre tout à l'heure pour aller faire un tour en bas parce qu'il y a des choses assez pittoresques à montrer. Voilà, donc ça rentre dans la montagne mais j'ai pas creusé, c'était vraiment à titre d'exemple. Et puis on peut même aller faire admirer la vue dans la tour. Je me suis inspiré de la tour de Lofé dans son projet de château de Castlevania, si vous avez vu la vidéo, pour le sommet. Voilà, donc on est à peu près au niveau du sommet ici. Donc voilà un projet bien sympathique, mais le problème c'est que ça nécessite évidemment que beaucoup de joueurs s'y mettent, parce que moi je voudrais qu'on fasse des salles immenses, des souterrains, enfin des choses qui aillent. On va baisser le son, je sais que c'est gênant. Qui aille de très haut à très bas, mais bon, là, évidemment, c'est peut-être un petit peu ambitieux parce que la communauté n'est pas obligée de me pas forcer à me suivre. Donc, vous voyez, on est en bas de la tour et ça descend encore. C'est un endroit, voilà, avec des falaises assez impressionnantes, hein, que j'ai trouvé par hasard. Hein. Et on va aller voir des petites vues d'ensemble. Bon, ouais, voilà du projet extérieur en tout cas, et puis vous montrer, bon, vraiment pff, comme ça, parce que c'est assez rigolo ce que j'ai trouvé aussi par hasard. C'est un coin, c'est bizarre. D'ailleurs je vous montrerai pas les souterrains, mais c'est pareil, hier j'étais en souterrain très bas et il y avait un nombre de mobs assez hallucinant. Donc vous voyez un petit coin ici que j'ai éclairé avec une cascade naturelle, voilà, assez sympathique puisqu'elle a foncé. Donc là le trou n'y était pas, là, ce trou là j'ai juste creusé sur, ah, saleté de flotte, sur 3-4 blocs d'épaisseur, et j'ai trouvé quelque chose d'assez rare, je pense. Donc un donjon au niveau du sol, ça existe, mais avec un mur complètement cassé au départ, hein, donc j'ai pas touché, je ne suis pas sûr que ce soit très fréquent. Voilà ce que ça donnait quand je suis arrivé. Donc on est sous la montagne, c'est assez rigolo. Aïe, aussi des fois. On a ici ce que j'appelle la pierre pendante, on va aller voir ça. Donc là il y a des trucs, c'est pas vraiment des grosses cavernes, mais bon, c'est assez joli. Et puis, bon, toujours ces falaises assez extraordinaires, il y en a vraiment partout, des falaises très abruptes, qui vont donc conviennent très bien à mon projet. Une vache est morte. Voilà ce qu'appelle la pierre pendante, vous voyez ça. Donc pour l'instant personne n'y a touché. Oh, un monstre. Où est-il? Voilà, donc qui touche, qui descend presque au niveau du sol et qui est retenu à la montagne. Enfin, au bout de montagne en fait, ouais. Que par quelques blocs. Voilà, ça c'est vraiment extraordinaire. Là vous avez, peut-être que vous avez vu la vidéo sur la chasse au trésor, un trou dans la montagne aussi,
là-haut, enfin vraiment un coin généré de manière extraordinaire, je trouve. Et puis bon, en poursuivant, pour finir le petit trip, un petit chemin, j'ai trouvé aussi, j'espère que c'est par là, sinon je vais avoir l'air couillon, un petit truc sympathique. Hop, c'est pas là. Ah, je crois qu'on l'a vu. C'est derrière, voilà, on a vu ça. Donc pareil, tout ça c'est naturel. Un petite cascade de lave. Voilà pour cette vidéo sur Nargothrond. Ben, moi ce que j'espère c'est que dans un futur pas trop éloigné, je vous en montre beaucoup plus. Des choses encore plus belles, extraordinaires et immenses. Un petit mot au sujet des vidéos. Bon, vous avez déjà vu que elles viennent pas toujours très régulièrement, mais bon, j'ai pas énormément de temps et j'ai plein de projets sur le serveur, donc faut s'attendre parfois à des trous. Là je vous en faire peut-être une ou deux autres dans pas longtemps. Un petit pack de chunk. Regardez. Ça y est, c'est rechargé. À propos des vidéos, donc une grande nouvelle, mais je ne peux pas trop vous en dire, je préfère attendre que ce soit fait. Je vais peut-être changer le format, dans le sens où je vais peut-être moins faire de vidéos tout seul, et réaliser des vidéos de groupe sur un format assez spécial, donc c'est en chantier, on va dire, sur le serveur, c'est-à-dire lancer une sorte de chaîne télé Aurora, avec différents types de programmes, quelque chose d'assez bien, avec une forme qui sera une parodie plus ou moins de vraie télévision. Donc ça peut être très sympathique, mais pour l'instant on a encore du mal à se lancer dedans parce que c'est assez compliqué. Il faut arriver à avoir des caméramans, quelqu'un qui fasse le montage, et c'est pas forcément évident. Il y a déjà des studios qui sont prêts, mais bon, encore rien n'a été tourné. Voilà les amis de Minecraft, c'est tout pour cette vidéo. A plus.